Série des vidéos sur apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Il s'agit de la cinquième vidéo. Nous allons aborder la quatrième partie du cours qui est en ligne sur mattguyon.fr pour apprendre les méthodes de résolution. Il y a deux méthodes et la première consiste à apprendre à résoudre les équations de la forme a fois x plus b est égal à c. Un exemple pourrait être d'apprendre à résoudre 3x plus 2 est égal à 8. Résoudre l'équation consiste à trouver là où les valeurs de x qui vont rendre cette équation vraie. Une façon de comprendre comment résoudre ce genre d'équation consiste à revenir à une balance, une vieille balance, comme il en existait sur les marchés auparavant. Balance avec des plateaux. Sur le plateau de gauche, nous allons représenter 3x plus 2, et sur le plateau de droite, 8. Pour représenter x, considérons un élément quelconque, une brique par exemple. Une brique pèserait x et on cherche la masse de la brique. Sur le plateau de gauche, nous avons donc 3x, donc 3 briques plus 2 kg. Et sur le plateau de droite, 8 kg. Sur le plateau de gauche, nous avons les 3 briques, c'est ce que nous cherchons à peser, et le plus 2 kg qui est rajouté sur le plateau de gauche nous embête puisqu'il nous empêche de déterminer la masse de ces briques. L'idée consiste donc à enlever ces 2 kg sur le plateau de gauche, mais évidemment, si on enlève ces 2 kg à gauche, patatras, la balance devient déséquilibrée, et si on enlève une masse à gauche, eh bien, le plateau de droite devient plus lourd, et la balance tombe complètement d'un côté, les 8 kg sont plus lourds. Pour que la balance reste équilibrée, il va falloir enlever la même masse à droite que nous avons enlevée à gauche, et donc enlever 2 kg sur le plateau de droite, et à ce moment-là, la balance redeviendra équilibrée. On a donc fait la même opération à gauche et à droite. Cela revient à dire que les 3 briques pèsent 8 moins 2, 6 kg. Sachant que 3 briques pèsent 6 kg, combien pèse une brique? Eh bien, il va suffire de diviser par 3, et la brique pèsera 2 kg. Nous allons donc maintenant reprendre exactement la même stratégie, mais maintenant, d'un point de vue mathématique, avec des équations. La première idée, quand on a une équation sous cette forme-là, 3x plus 2 est égal à 8, va consister à dégager le plus 2 et à lui opérer donc l'opération contraire. Comme le 2 fait une addition sur le 3x, on va donc faire moins 2, l'opération contraire. Et si on fait une opération à gauche, on doit faire exactement la même opération à droite. Nous allons donc faire moins 2 de chaque côté. À gauche, 3x plus 2 moins 2, et bien les 2 moins 2 vont faire 0, il va rester 3x. Et à droite, 8 moins 2. On peut calculer 8 moins 2 qui fait 6. Cela revient donc à résoudre 3x est égal à 6. Pour nous dégager du 3 maintenant, on cherche l'opération que le 3 fait sur le x, il fait une multiplication. Et donc on va toujours faire l'opération contraire. Pour dégager le 3 qui multiplie le x, on va diviser par 3 de chaque côté. Si je divise à gauche, donc je divise à droite, et en faisant la même opération à gauche et à droite d'une équation, l'équation reste équivalente, c'est ce qui avait été vu dans les vidéos précédentes. 3x divisé par 3, cela revient à avoir x, et qui est donc égal à 6 divisé par 3. 6 divisé par 3 fait 2. On peut donc conclure que la solution de l'équation est 2. Et l'idée de cette vidéo est de résoudre l'ensemble des équations qui vont être sous la forme ax plus b est égal à c. Par exemple, l'équation 2x plus 3 est égale à 4, et sur ce schéma-là, c'est-à-dire que le coefficient a vaudrait 2, le coefficient b vaudrait 3, et le coefficient c vaudrait 4, l'exemple que nous avons résolu en début de vidéo était exactement sur ce schéma-là. Attention, les nombres a, b, c peuvent prendre des formes particulières. On pourrait imaginer cette équation, par exemple, 2 tiers de x moins 3 est égal à moins 0,4, qui respecte exactement le même schéma. A valant ici 2 tiers, donc il peut bien y avoir des nombres négatifs fractionnaires. Attention, il peut y avoir des nombres négatifs, B peut être égal à moins 3, et C peut être un décimal, par exemple, moins 0,4. À partir du moment où A, B et C sont des nombres, quel que soit leur signe ou leur forme, on reste dans ce schéma AX plus B est égal à C. Et dans ce schéma d'équation AX plus B est égal à C, la stratégie générale consistera à soustraire B de chaque côté, à gauche et à droite, de mon signe égal, pour obtenir une équation sous la forme a fois x est égal à donc c moins b. Ce schéma-là n'est pas à prendre par cœur de la sorte, ce n'est pas raisonnable, mais il faut savoir l'appliquer dans des exemples concrets. Par exemple, si je devais résoudre moins 3x moins 1 est égal à 4, comprenez bien que dans ce schéma-là, l'idée va d'abord être de s'occuper du moins 1, et pour le faire disparaître du membre de gauche, il faut lui opérer l'opération contraire, c'est-à-dire plus 1 de chaque côté,
pour qu'il y ait moins 1 plus 1 à gauche qui va faire 0. Et cette équation revient donc à résoudre moins 3x est égal à 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3x est égal à 5. Arrivé là, la solution est facile à trouver. Le moins 3 fait une multiplication sur le x. Il faut donc diviser par moins 3 de chaque côté. Et au final, x est égal à 5 divisé par moins 3, moins 5 tiers. Cette stratégie de résolution, en deux étapes, qui consiste d'abord à nous séparer de la constante du nombre qui est à côté du x, plus 2, moins 2, etc. Et ensuite, de s'occuper du coefficient multiplicateur devant le x, est une méthode générale qui nous permet de résoudre toutes les équations de cette forme-là. La vidéo suivante traite d'une autre forme d'équation, un peu plus compliquée, qui amène une autre stratégie. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien qui est en haut à droite. Vous avez l'intégralité du cours avec l'ensemble des vidéos du chapitre sur le site matguyon.fr. Vous y trouverez également des exercices corrigés issus du site CopMath. Bon courage !